Bien, salutations tout le monde de Scène 27, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Starfield. Donc pour faire la quête principale. Nous sommes au point de l'anomalie. Donc on va descendre. Et on va aller voir ça. Et après, est-ce qu'il y a un chemin par ici? Je dirais pas qu'il y a de chemin ici. Il faut le retrouver. Une route. Bah voilà, ok, voilà. Très sympathique la zone. Tu m'es monté digne de la porte. Oh. Il passe. Vous avez vu comme la pièce réagit à notre présence. Ces anneaux, surtout. Ouais. On est bien d'accord, on sait à quoi ça correspond. On dirait clairement les artefacts qu'on récupère. Sauf que là ils sont tous alignés et que c'est autre chose quoi. Ah merde. Je doutais pas que c'était la sortie ça. De la merde. Pour changer. Voilà, du coup. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec? Je vois des symboles, des trucs. Il y a des symboles. Je comprends pas trop. Il faut que je passe dedans. Pas trop le... compris là. Il y a des bruits quand je passe dedans, mais... Enquêter sur la source de l'anomalie. Je suis en plein dedans là, mais... Super. Quoi ça? Le plafond, c'est juste ma lumière qui pourtant l'autre il me dit de sortir, mais enquêter, mais qu'est-ce que je dois faire? T'as une idée Sarah de ce que je peux faire là? Parce que place, ma salope.
tiens, un portail. Le menu d'équiper un nouveau pouvoir. Sélectionnez la zone supérieure pour accéder à vos pouvoirs. Pouvoir. Ok. Générer un champ localisé d'une faible gravité intense et admirer la puissance d'une planète. Ok. Comment j'active ça après? Genre, je l'équipe là. C'était génial! Utiliser votre pouvoir. J'utilise okay. Pas ce mot souvent. Il faut qu'on rentre vous faire examiner à la... Attendez, on va essayer de... On est en train de tirer, tac tac tac, ça canarde. Je fais ça, ok. La gravité elle a changé aussi sur la planète. Ok, impeccable. Pas mal. Du coup, on a aussi des pouvoirs. Ok. Comme les cris de Skyrim, quoi, finalement. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ah ouais. Peu importe. C'est quoi ? Ce qu'il vous faut, pas de soucis. J'ai cru que vous poseriez jamais la question. Tenez. Prenez soin de vous, mon cœur. Ouais, merci. Tout est exactement comme on l'a laissé. Je me demande souvent qui garde la loge aussi méticuleusement propre. Par la carcasse de Krix. Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein? Dis-nous tout. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Vladimir, regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer? Je peux. Ça, hein? Un véritable don du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Nous avons donc les artefacts, un temple et ce pouvoir. Tous reliés. Toutes ces questions sans réponse. On peut en trouver d'autres? Les scanners en ont déjà trouvé un.
Il correspond à l'un des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. Voire impossible sans comparer le bon artefact. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'ait répondu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à réfléchir. Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher d'autres anomalies qui correspondent à nos artefacts. Un scanner portatif pour placer. Oh, vous revenez d'ailleurs. Allez. Oh, pas mal. Alors. L'antenne correspond à une situation. Vas-y, on va tester de faire ça. On verra bien. De là. On va regarder. On trouve un truc bien éloigné. Le truc, je me dis, c'est le temple là-bas. Tenez le pouvoir, suivez les distorsions sur votre scanner. Ouais, mais... Pour moi, à part le temple là-bas, droit devant, pas grand chose. C'est vrai qu'il n'y a pas âme qui vive là sur ce. Sur ce bout de terre. Pas que ça se mine, mais bon, on va vider le chargeur pour être sûr. Sûr que non. Du plomb. À mon avis, ça se récup. Quelque chose d'intéressant à porter. Oh, l'anomalie, ça peut être ça aussi. Hein. Gros truc là-bas. Regardez-moi le truc. Ça peut y ressembler aussi.
Ça y ressemble beaucoup même. Il ressemble beaucoup. Elle a l'air en mauvais état par contre, celle-là. D'anomalie. Scanner le lieu, découvrir. Pas de cailloux. Anomalie gravitationnelle. On va voir. Ah, génial, je suis malade maintenant. Perso, il est tombé d'un coup comme ça. Putain, ça, ça fait chier quoi. Bon, ça, c'est bien ça. Absolument que j'aille en haut moi. Genre. Oh. On prend un con ou quoi? Ça. Le mineur de l'espace. Et on voit les ressources. Génial, je suis en train d'être malade là sur cette planète. Planète de merde. Save, casou. Je sais pas trop comment récupérer le pouvoir de l'anomalie. J'arriverai pas à sauter aussi loin. Clairement pas, et en plus même si je loupe mon saut, je sais pas comment sauter aussi loin. Ouais, peut-être c'était pas ça hein, la zone. Ça y ressemble mais bon. Anomalie gravitationnelle, ah c'est ça quand même. Alors c'est ça. Entre, je peux aller jusqu'à là-haut. Je sais pas. On va dire. Pas si je peux aller là-haut.
demeure entremêlée. Je fais comment pour les... pour les réparer. Essayer de voir ailleurs. Je suis perso, il est en train de clamser. Raison respiratoire, ça va. Là-bas, mais à mon avis il n'y a aucun truc là-bas, je vois aucune source gravitationnelle. Ah mais non, brûlure, ah si, c'est un truc de malade. Déserté. Déserté, mais il y a quand même des gardes encore. Ça, je les vois pas. Okay. Oh. Ok, sur une merde. Peu de poche. Intéressant. De dingue. Enfin, on va retourner après à au bord du vaisseau, je vais me TP. Je me demande ce que ce vaisseau cargo fait ici. Est-ce qu'il faisait une livraison ou bien il venait chercher quelque chose? Putain. Oh de la merde. C'est bien, mais je vais me faire niquer encore avec votre merde. Prenez tout ce qui peut être utile et laissez le reste. On va. Non,
c'est pas ça. On va faire comme ça. Tac. Vaisseau. T'es pas au vaisseau, oui. En train de tomber malade. Allez faire une petite nuit. Alors attends. Casier du capitaine. Casier du capitaine, je peux mettre le truc de contrebande. Combien de reçus? Mal chargé quand même. Si je peux pas mettre un peu de ressources. Voilà, je vide un peu les poches. Ils sont où les lits là dans ce tas de boue là? Ordinateur, on dirait que c'est une prison ton lit quoi. Oh. Okay, c'est toujours le truc. T'étais pas bien là, ça, hein. T'étais pas bien du tout. Hein. Ah, si t'as ton doué comme ça, c'est que t'es cuit. Ça veut ça. Je profite de cet instant au calme pour vous demander comment vous vous sentez. Après votre expérience au temple, vous avez fait peur à tout le monde à la loge. C'est pénible. Mais pas inattendu, dirons-nous. D'après ce que j'ai entendu, votre corps a absorbé une énorme quantité d'énergie d'un type qu'on comprend absolument pas. On a affaire à une inconnue de la science moderne. Qui sait comment cette rencontre a affecté votre corps ou votre esprit? Ok. Tant mieux. Je suis ravie de l'entendre. Ce temple prouve que nous avons affaire à des entités inconnues. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de leurs intentions envers nous et d'où ils se trouvent désormais. C'est possible. C'est juste que... je crains qu'on avance vraiment à tâtons. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ceux qui ont créé les artefacts sont les mêmes que les bâtisseurs du temple. Tout le reste n'est que supposition. Autant me bander les yeux et lancer des fléchettes sur des théories écrites au mur. Oh, croyez-moi, je suis totalement exaltée. Réfléchissez au sens de ces recherches. Les questions qu'elles soulèvent sont à elles seules ahurissantes. À qui était destinée cette extraordinaire structure? Depuis quand ces entités habitent-elles notre univers? Existent-elles encore quelque part? Peut-être. Il nous faudra de nouvelles données. C'est marrant. Je pensais que les artefacts seraient le pinacle des découvertes scientifiques. Le pinacle des mystères de notre époque. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé découvrir quelque chose de cette ampleur. Quel que soit ce que c'est, j'espère juste que vous en ressortirez indemne. Oh, je vous remercie. Écoutez, j'ai déjà trop usé de votre temps. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de ne pas vous abandonner face à ce mystère. Quoi qu'il arrive, je resterai à vos côtés pour vous épauler. Je sais, t'es ma femme. J'ai fait les deux trucs là-bas. On va tester d'ailleurs là-bas. Comment ça, hémorragie? Par contre, y a pas âme qui vive sur cette planète. Hein. Un truc de malade. Il y a des gains quoi.
100 mètres. Bah, si c'était le temple là-bas, je sais pas. Je sais pas, parce qu'on le voit hein, flotter et tout le de là. Mais. Ouais. Je savais pas comment on pouvait récupérer son pouvoir. On va bien voir. On va faire les autres et on verra. Ouais, bon. S'il y a rien de sur les autres, dans une impasse. Ah c'est bon, il y en a une autre structure là. Ouf. Bon. Bon, un truc après là-bas. On doit en trouver 4, ça va. On va aller. Ok, je trouve une autre anomalie. Oh bah, je peux pas la scanner celle-là. En tout cas, j'ai déjà récupéré la calumite. Le mineur de l'extrême. Oh yeah. Celui-là et on va aller sur l'autre hein, en dessous. Faut croire qu'il faut que j'en trouve un qui est pas pété. Ouais, on va aller voir celui-là juste en bas. Entre on est les seuls connards sur ce bout de terre hein, sans rien. Je sais pas ce qu'on pourra faire avec cette ressource mais... Moi j'en aurais quoi. Peut-être qu'il m'enverra là-bas après. Un truc aussi là. Pas l'air cassé, mais un peu quand même. Le découvreur. Mali.
Ça sert à rien, non? Ça, franchement, ça, si on pouvait miner plus vite, parce que bon. Quand tu vois la vitesse où je perds là, voilà, le temps que je perds et à la vitesse où je mine, c'est un peu abusé quoi. Mais bon, tu peux pas mettre de mode sur la chiotte. Donc bon. Avec Sarah qui te pousse derrière, tu sais. Pendant que t'es en train de miner, elle te pousse, t'sais. Incroyable. Je sais pas ce que je dois faire, mais... finir par en trouver une. Allez, recharge-toi là. Ok. Ouais, je sais pas ce que je vais pouvoir craft avec ce... avec ça, mais... je vais être bien. Hey, je les prends 12 parce que c'est quand même un truc légendaire, tu vois. Au bout d'un moment, je vais pas passer à côté de cette ressource. Mais c'est blindé de partout. Parce que j'ai pas envie que plus tard dans le jeu, quand. J'en peux plus, tout ça. Si j'en ai besoin, que je commence à améliorer ma forge et tout, et qu'on me demande cette merde et que j'en ai pas assez. Je vais avoir la haine, donc je préfère vraiment tout miner. Même si c'est un petit peu long, je vous l'accorde. Et pas très passionnant d'être un mineur de l'extrême, mais bon. Faut quand même prendre les ressources. Blindé, mais c'est blindax, truc de fou. Truc de fou. Ah ouais, laissez tomber. Je pourrais faire presque un coffre spécialement de rien que de cette ressource. Je pense pas que je vais y arriver à sauter aussi haut. Non, clairement pas. Ouais. Ouais, ça marche pas comme ça. De faire un truc comme ça, ouais, clairement pas non plus. Bon. Du coup, il me reste pas beaucoup à 1000 mètres là-bas ou 900 mètres là. Putain, il me reste encore des trucs ici, mais j'en viens. Ah non, ça va, il manquait juste lui.
que j'ai pas fait. On va faire comme ça. Oh, il y en a un là. Rien que je sais pas. On va voir là-bas. 1000 mètres. C'est pas à côté, hein. Pas à côté du tout. Une petite trotte jusqu'à arriver là-bas. Bon, j'espère que ça sera le. On ira au bon truc. Si je pouvais avoir un ennemi ou deux sur le chemin aussi, ça me ferait un peu moins chier quand je fais toute cette route. Pas avoir un petit véhicule là pour les planètes comme ça pour se déplacer. Pour vous mentir, je préférais bon déjà je préfère médiéval futuriste franchement à part Halo, le reste j'accroche pas trop, j'accroche mais sans plus quoi, que Halo qui était vraiment le truc qui m'a fait surkiffer. Ce qui est plus le cas maintenant hein, parce que c'est des bouses, mais bon, futuriste ouais, c'est un peu le seul jeu vraiment futuriste espace et tout, parce que on pourrait parler de cyberpunk, de Deus Ex ou quoi, où c'est très optimisation de l'être humain, ça je kiffe, mais c'est pas très espace planète et tout, vraiment sur notre planète et point barre quoi. Mais ouais, sinon je préfère médiéval et je préfère surtout ce qu'ils ont fait en tout cas. Sur les anciens jeux, du coup, t'avais forcément qu'une planète, mais au moins tu te baladais, t'avais tout le temps quelque chose. Là, je trouve que les mondes ils sont vides, et quand t'es sur un monde, en généralement, tu y restes pas longtemps, quoi. Tu fais juste ta quête et tu te casses, quoi. Tu. On ne pas te faire autre chose, quoi. J'aurais mis moins de monde et genre quelques planètes, mais quelques planètes où c'est blindé de trucs. Perso, j'aurais préféré. Là, franchement, elle est vide là, elle est vide la planète. Hein. Ouais, t'as 2-3 cailloux de temps en temps quoi. Ah, c'est bien. Je sais pas ce que c'est là-bas, mais. C'est pas ce que je cherchais. Trop ce que je cherche. Ça a l'air bizarre en tout cas. Parce que je vais y trouver là-bas. Rien de. Bah rien quoi. La grosse tête là. Je veux pas que tu me gênes là. Ouais, encore un truc, j'ai l'impression que ça. Perte de temps.
On va essayer de retourner par là-bas. Pour le point qu'il y avait comme ici, mais de l'autre côté. Et deux points là-bas. Ça c'est lesquels, mais... Je revienne. Si on met pas, on va aller de l'autre côté. Et je sais pas du tout ce que je vais devoir faire. Voilà, bon là faut que je retourne ici en gros. En partant d'ici, il doit avoir un truc dans la zone par là. Mais à part ça. Je sais pas. Explorer. Donner le pouvoir, suivre les distorsions, pour le scanner. C'est ce que je fais, hein, mais... Un pouvoir venu d'ailleurs. Continue à scanner, je suis sûr qu'il y a quelque chose pas loin. Ours, 7 sur 8. Là pourtant je suis plus très loin quand même. J'étais si loin que ça quand même. Parti, putain. Dingue. Oh c'est quoi ça? Je suis à 8 sur 8, je vais tout découvrir ici. Entre les points d'interrogation, je sais pas à quoi ça correspond. C'est quoi ça là-bas? Un point direct. C'est pas mon vaisseau ça. C'est mon vaisseau ça. Ah, tout l'air. Bizarre, mais ça m'a l'air d'être mon vaisseau. On va mettre un point quand même par là. Au cas où. Normalement je devrais avoir de nouveau le truc marqué. Ah voilà, 900 mètres là-haut. Là-bas j'ai vu un autre truc derrière. Donc, ça peut correspondre à mon vaisseau et ce que j'ai découvert, mais... A voir. Bon, au moins la map on l'aura clean, hein. On aura tout découvert.
Il a quand même un petit style avec son armure. Hein. Heureusement que c'est une des premières quêtes que j'ai fait de cette faction. Avec les ignomorphes. Full stuff leg. Depuis j'ai quasiment pas changé. Après 2-3 autres quêtes qui m'ont donné en faction des armes leg aussi, mais. Ouais. Je pense que les premières qu'il faut faire c'est clairement Xenomorph et la flotte écarlate. Sauf que le problème de la flotte écarlate c'est qu'elle est buggée, donc on peut pas la terminer. Donc ça saoule un peu à ce niveau là, mais. Ouais, bon. Il dit que je vais sur le 6. Ah, on a actuellement on est le 4. Donc, il dit peut-être que le 6 ils font une mise à jour qui va bien et ils nous patch. Et on est bon quoi. Donc on garde espoir. Pour l'œil du cyclone. Belle quête de merde. Ah, la quête en soi elle est excellente en plus. Hein. Mais bon. Tu peux pas la finir, du coup bah t'as un peu la haine quoi contre la quête. En plus il y a une arme légendaire à la fin. Ça saoule. Ça saoule, ça saoule. Tu te niques une arme que tu kiffes. Bah, qui a l'air vraiment pas mal. Une bonne petite trayette, petite SMG. Terre de recouvrement. Cobalt. Argent, vas-y. Einstein. Nickel, vu le petit bout que c'est, laisse tomber. Je viens de capter un truc. Que tu peux le booster le bordel en fait. Voilà. Ah oui oui, en fait tu peux le booster. Ok, bonne chose. Donc je vais monter sur la colline là-haut. Mon vaisseau il est là. Ça je l'ai pas fait en fait. Hein. Là-bas il y a encore des trucs. Hein. Ça c'est mon vaisseau. Donc ça je l'ai pas fait. Donc du coup faut que je mette pas mon vaisseau. Ça m'a fait du bien de changer d'air. Quitte. Même si à mon avis je suis pas loin d'être blindé. Non, en vrai ça va. Capitaine. Non, c'est pas grave. Ouais, faut que je dorme. Je suis en train de me prendre des dégâts de dingue de partout. Bon, tant pis, je vais dormir, je vais poser un peu mes merdes. Ça c'est la cabine. Ah, hop. Dormir 3 heures. J'ai perdu quelques trucs. On doit vraiment se lever. Soin. Ah, j'ai pas d'armes là, c'est vraiment que des minerais que j'ai sur moi. Et pas de me voler toi, petite conne. Tu vois là dans le coffre de la soute. Argent 34. On forme les minerais quoi.
coup, je pense que j'ai trouvé la zone où faut que j'aille. Tac, 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 tac. Là-bas. La zone que j'ai mis, je pense. Déjà, il y a ici que je voulais aller. Après, on ira voir là-bas. On va y voir ça quand même. Et là-bas, je sais que c'est une anomalie encore. Heureusement que quand j'étais là-bas, à peu près là-bas, j'ai vu un gros truc. Sinon, j'étais comme une merde. Tant que j'ai perdu alors que j'étais juste à côté, ça fout un petit peu la haine. Ouais bon, tant pis. Et voilà un truc, c'est juste derrière le mur, que derrière ces petites structures. Imagine. Ah ben même pas. Pas comme l'autre. Peut-être qu'une seule entrée ici. Entrées. Alors. Ah, the bee. Bon, encore. Je crois qu'il me l'a annulé parce que j'ai pas réussi à prendre notre temps. L'anomalie quoi.
Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ok. Ok, ok. Ah oh, putain. Eh ouais, bah j'ai de la contrebande. Station LA868, t'as besoin de l'iris? Notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder. Toute marchandise illégale ou volée sera confisquée. Vous êtes sur la liste des personnes recherchées. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder ou nous devrons ouvrir le feu. Casse les couilles. Restez avec nous, on va vous escorter. Ça casse les couilles, ça, à chaque fois. Tu sais pas à qui tu peux les refourguer, ces merdes, c'est. C'est un peu relou. Vladimir, c'est sur la station là, sérieux? Il est retourné sur sa station de merde. Oh là 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 là. Vous entrez dans l'espace de l'Union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à aller vous scanner. Attends, notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder toute marchandise illégale ou. Vous êtes sur la liste. Ta gueule! Vaisseau ennemi en or. Aucune hostilité ne sera tolérée. Oh là là, laisse-moi border, on me casse les couilles là. Casse les couilles, fils de pute. Vous avez fait une énorme erreur. Vous avez fusillé leur petit moteur. Sans déconner. Attends. Ah parce que attends, tu payes 6 800 pour qu'on te vole toute ta marchandise et quand tu reviens, on te dit t'as encore la cargaison. Mais je m'en fous, t'es de ma gueule ou quoi? Croyez que vous allez glitcher sur ma gueule ou quoi? Chaque fois que je vais reprendre monter dans mon vaisseau, vous allez me dire que je vous dois 800? C'est quoi ça? Ben, on peut pas aller parler à Vladimir tranquille et finir la quête, non. Il faut que vous nous cassez les couilles. Et là, déjà, tu vas me faire enculer. Bizarrement, tu vas voir, je vais retourner dans mon vaisseau, je l'aurai plus dans mon coffre, hein, le truc. Bon, si je l'ai, ça va. Parce que la dernière fois, il me l'avait confisqué, hein, concrètement. Alors, donc là, si je l'ai encore, je te dis à la limite, j'ai réussi à la faire passer en mettant 800 pièces. Mais bon, j'y crois moyen, hein, on tire. Ah, dans le coffre. Aussi, je l'ai. Ok, ok, bah, je vais la prendre, je vais la mettre dans mon coffre. En ville. Récupérer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Salutations, capitaine. Est-ce que cette merde a surchargé? Ouais. Est-ce que du coup tu peux vendre ta cargaison? Tu peux même pas. Moto. Non, tu peux même pas les vendre. Je peux vous aider? Et pourquoi tu m'as...
Bon, on va déposer la cargaison chez moi. Et on verra. Moi j'ai réussi à faire passer une cargaison. Je sais pas comment. Parce que la première quand j'ai payé, il m'avait tout pris. Hein. Est-ce que je peux la mettre genre là, là dans une vitrine, ma cargaison contrebande? Bon, on va parler à Valdimir. Ah, on est sorti. Hop, sur Isis. Isis, Iris. Encore. Encore, je me trompe. Et c'est en déconner. Heureusement que j'ai pas de meuf moi, putain. On trompe peu de noms à chaque fois. Hier Sarah je l'appelais Candice. Oui. Les dingueries. À toi aussi. J'ai mal vérifié plusieurs équations. Mon cerveau me joue des tours. J'oublie. Aïe aïe aïe. J'y étais un peu fort. J'ai parcouru les cartes à la recherche d'une autre correspondance. Je pense que celle-ci peut valoir le coup. Merci. Merci, merci. J'y vais de ce pas, mais... On va atterrir sur la planète. Merde, j'ai encore appuyé sur A et pas sur X. Ouais, c'est gentil ça, mais... Je me push, ok. Allez, on peut se détacher et se barrer d'ici. Allez, sur la planète. Adéquate. Son démarrage déverrouillé. C'est parti pour aller sur la planète de la nouvelle anomalie détectée.
On la fera dans le prochain épisode. Le petit vaisseau. Encore une sortie en combi. Ok, super. Et ouais, encore. Ok, d'ailleurs, plus ça là. Ça va être compliqué. En train de me brûler les patrons et on y voit que dalle. Où je monte sur la une colline. Histoire de. De voir ce qu'on peut faire. Bah déjà là-bas, je pense que en fait là-bas c'est le bon endroit. Je vois une structure au loin. Je pense que c'est là-bas. Ah. Allez sur la colline là-haut et puis c'est si je suis quasiment sûr qu'il soit là-bas. Plan, vas-y, ramasser. Cette ombre Alduin qui vient de passer. Bord du plomb. Encore une planète inhabitée. Ah c'est bon, c'était bien là. J'ai bien trouvé le bon endroit direct. Après quand tu sais à quoi ça correspond. Tout de suite plus simple. Donc on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, dans la description, vous avez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire qui est une chaîne automobile. Que je fais avec mon ami, les vidéos sont disponibles en 4K et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo, il y a la BMW M2, de la Honda S2000, de la Nissan 370Z et de la Porsche 911 GT3 992, toutes les dernières Porsche et bien autre chose qui arrive. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile et nous on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur Starfield, les 1027. Allez, ciao, bye.